Hello, coucou famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien mes belles dames. Alors moi ça va. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je viens vous parler d'une gamme qui est sortie il y a pas mal de temps. Donc c'est la gamme Cid Abeille de la maison Kaera. Donc voilà. Famille Cid Abeille, oui, Cid Abeille, cette gamme-là, famille, elle ne coûte pas cher. Hein. Non, moins de 10 000, vous avez toute cette gamme-là complète. Donc déjà, cette gamme-là est composée de savon, de corps visage, gel douche. Elle est composée également d'une crème visage. Elle est composée d'un lait, deux formats d'ailleurs, de lait. Elle est composée d'un concentré, d'un sérum et d'une lotion. Voilà. Donc voilà un peu. Avec moins de 10 000, hein, vous avez cette gamme-là. Oui. Pour celles qui, je n'ai pas beaucoup d'argent, je veux m'éclaircir et tout. Voilà. Cette gamme-là, elle ne coûte pas cher. Moi, je vais vous dire comment utiliser cette gamme-là et puis éviter les problèmes. Déjà, ici, vous avez vu que sur le packaging, il y a des images de bobos qu'elle traite. Donc, si vous ne savez même pas lire, ce n'est pas bien grave parce qu'eux-mêmes, ils ont fait des dessins là déjà pour vous signaler ce que la gamme la traite. Donc, vous voyez un peu. Mais il n'en est rien. Hein. Oui, ça, c'est juste. Pour attirer la clientèle, il n'en est rien de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les maisons là savent que aujourd'hui là, tout le monde souffre de quinto, de fa, de mamie. Donc, pour attirer la clientèle, vous savez, ces gens-là cherchent l'argent. Donc, voilà. Ce que vous voyez comme image là, il n'en est rien de ce que le produit fait. Vous comprenez? Le produit là. C'est pour celles qui veulent blanchir, qui n'ont pas de bobos. Vous voulez blanchir, là. Vous prenez cette gamme-là. Vous exfoliez la peau. Le lait, là, vous prenez le petit. Un concentré, un sérum. Vous mélangez bien, vous renversez dans le petit lait. Si vous devez utiliser tout le grand lait pour faire votre mélange, prenez deux bouteilles de ce que j'ai cité, huile concentrée, vous mélangez, vous rajoutez dans le grand lait. Mais si c'est avec le petit lait que vous allez partir, prenez un sérum, un concentré, battez bien ensemble, vous mettez dans le lait de corps. Vous utilisez. Quand vous finissez là, lavez vos mains. Parce que ça va foncer vos mains. Ça va foncer vos mains. Exfoliez bien les parties difficiles. Coudes, genoux, pieds, mon chien. Exfoliez ça bien. Hydratez-vous après 2 mois d'utilisation de ce produit-là. Faites une pause même de 10 jours, si possible. Faites une pause, hydratez-vous, exfoliez-vous, faites vos chantilly comme je vous ai montré sur la page, et puis hydratez-vous. 2 jours dans la semaine, pendant les 2 mois d'utilisation de ce produit-là, 2 jours dans la semaine, vous prenez 2 jours d'hydratation, en plus de vos hydratations que vous faites en journée, d'accord? Pendant l'utilisation, vous vous hydratez en journée, vous utilisez le produit uniquement le soir, et deux fois dans la semaine, vous laissez tomber, vous prenez juste votre crème hydratante que vous passez sur le corps. Et puis, vous lavez vos mains après chaque utilisation de ce produit. Parce que, comme je l'ai dit, ce produit-là, ça va blanchir. Dame, quand ça traite les fards, je dis que non. Je vais revenir dessus pour que vous ne puissiez pas venir poser des questions comme ça. Ça traite les quintos? Non. Tout ce qui est dessiné dessus, peut-être que vous ne voyez pas bien. Quintos, mamie, fards, pieds durs. Coude foncé, ça ne traite rien. Blanchi, oui. Donc, si encore il existe des peaux normales, hein, s'il y a encore des personnes qui ont des peaux normales, qui veulent s'éclaircir, qui n'ont pas de peau sensible, parce que gare à vous, si vous avez une peau sensible, après utilisation de ce produit, au-delà de 5 jours, vous allez voir les veines apparaître. Parce que c'est trop fort pour les peaux sensibles. Donc, si vous avez encore une peau normale de nos jours, que vous utilisez ce produit-là, exfoliez-vous la peau, hydratez-vous la peau. Parce que ce produit-là, je ne sais pas comment. Bon, je me dis que les gens aussi, vous savez, tout le monde n'est pas même chose. Hein. Tout le monde n'est pas même chose. Il y a des personnes qui s'éclaircissent là, surtout les jeunes filles là. Elles s'en foutent des quintos noirs, les pieds n'ont pas pris, elles s'en foutent. Elles viennent, elles payent, elles s'en vont. Visage est clair, le torse est clair. On s'en va avec ça. Souvent, je regarde, je dis, aïe, éclaircissement de maintenant, là, blanchiment de maintenant, là, même, je ne comprends pas. Si le visage est propre, net, ou bien le visage est clair, net, allez. Donc, la crème et la lotion contenues dans cette gamme-là ne traitent pas des boutons, ne traitent pas les fards, ne traitent rien comme est indiqué sur la photo ici, rien. Mais blanchi, là, je vous garantis
que cette gamme-là va vous blanchir. Maintenant, vous blanchir comment? Quand vous allez mettre la méthode que je vous ai conseillée, en vous exfoliant, en vous hydratant, vous allez blanchir bien. Mais si vous ne faites pas ce que j'ai dit là, vous allez devenir comme les jeunes filles qui viennent payer ça à la boutique et puis elles ressortent. Parce que moi, quand tu viens payer le produit que tu connais déjà là, je ne parle pas beaucoup. Tu viens, je te sers, tu t'en vas. Et je sais que vous, mes abonnés là, vous partez dans les magasins, on vous conseille peut-être cette gamme là. Et vous hésitez. Donc c'est pour celles qui hésitent, qui connaissent, qui ont déjà vu cette gamme là, ou bien vous a déjà conseillé cette gamme, ou bien vous avez entendu parler déjà de cette gamme là. C'est à vous que je viens dire ici. Cette gamme là. Ne regardez pas la beauté du packaging. Elle blanchit. Mais tout ce qui est dit ici, sur les photos ici, là, elle ne fait rien de tout ça. Voilà. Donc, famille, voilà ce que j'avais à vous présenter. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Bisous.